Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, en compagnie de l'Austral pour cet épisode numéro 46. Salut l'Austral. Et voilà, il y a un claptrap ici, boum. Je ne sais absolument pas ce que tu es en train de foutre, hein, parce que je suis resté au portail. Qu'est-ce que c'est que ce claptrap bizarre? Qu'est-ce que c'est que ce claptrap chelou? T'es en train de faire quoi là? La mission secondaire, voilà. Oh, tu m'emmerdes! D'accord, donc c'est au même endroit que la zone, que la mission principale, donc bah écoute, hein, j'y vais. Tac. Qu'est-ce que ça fait? J'ai rien fait du tout. Ah putain, ça a sauvegardé. Ouais, ça a sauvegardé à ma place en fait. Enfin, je ouais, c'est pourquoi, un point de sauvegarde, t'as dû passer là. C'est que vite, je vais mourir. Ouais, c'est bon. Oula. Cinématique. Ça sent le boss final. Je pense que c'est un univers qui te déplaît au plus haut point là. Oh bah là y'a rien pour moi là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends rien. On est dans le cosmos. Ah d'accord, c'est un truc qui nous a téléporté en fait. C'est ça. Et on est où là? Ça sent la reine du boss, ça, non? Bah ça pue bon, carrément la reine de boss, oui. Ça se voit, hein. C'est là qu'on va, c'est clair, hein, c'est mon destin. Est-ce que je tremble? Non mais j'ai l'air de trembler, non mais regardez-moi. Et les yeux. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de... Oh oui, pardon, tu ne vois pas. Mais imagine-moi, trembler. Ah, oh, je tremble. Alors, voilà, c'est la voix de Cartman aussi, ça, je suis en train de penser. Ouais. Ce boom, Jack, je vais te laisser une chance de repartir. J'espère que tu ne la saisiras pas, mais... Oh, ma poule, tu seras vraiment jolie en mourant. Tout cet ego et ce bel esprit, ça va s'évaporer par le trou des balles. Qu'est-ce que tu en penses, Athéna? Tu pètes la forme? Moi, je pète la forme. Tais-toi et laisse-moi travailler, Jack. Je veux pas savoir à quel point tu apprécies la situation. Ok, je comprends plus rien, moi. Je sais pas pour toi, mais... Ouais, il y a longtemps que j'ai lâché le... Le mec, il s'envole. Ok, donc là, il y a un niveau 27 qui est assez résistant. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Wow! Espèce de grosse tourelle qui nous déglingue.
C'est quoi les petits cryos là? J'ai rien compris à ça. J'ai rien compris non plus moi personnellement. Récupérer divers types de petits élémentaux. Prendre les petits électriques, les petits machins. Je comprends pas. Hein. Je suis paumé. Ah ouais, mais là, ouais. Oh la vache. Putain. Alors ça, dis donc, ça brille. Mais oui, trop. Et en plus, ça nous appelle. Mais tu vas crever, toi. Voilà. Putain, c'est incroyable, ça. Mais t'es où, là? Je me balade. Bon, attends, parce que... D'accord, c'est dans cette zone-là qu'il faut ramasser les trucs, là, je sais pas quoi, là, les putis, machin. Hein. A priori, c'est sur des ennemis bien particuliers, j'ai l'impression. Je ramasse un écho. Non seulement on est pris au piège, mais le colonel vient de nous dire que Dahl nous avait abandonnés, qu'on pouvait bien crever. Mais moi, je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui peut nous sortir de cette situation merdique, c'est bien elle. Nell ? Le mec qu'on avait croisé au tout début de l'aventure, merde ! Je suis mort. Vous allez danser, les trous du... Ouais, Nell, c'était le mec qu'on avait croisé au début de l'aventure, là. Ouais. Le PNJ à la con, là. Il me fait chier avec ces putis, là. Faut tuer qui pour récupérer ça ? Je sais pas. Parce que des armes élémentales, j'ai que ça, moi, chaque fois que je les bute, il lâche rien. Hein. Je vois des choses étranges là. Bah oublie ça, c'est sûrement rien du tout. Allez, au côté de lui. Oui, c'était moi. Comment t'as fait pour les suivre sans qu'ils te remarquent? Ben, en fait, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, mais les gardiens m'ont laissé tranquille. C'est comme s'ils voulaient que je passe. Mm-hmm. Bon, je vais activer la mission secondaire quand même. La mission principale, je veux dire. Celle-là. Ça voilà, au moins on sait exactement où est-ce qu'il faut qu'on aille. C'était donc ça la deuxième partie du jeu, bah pour ma part je préfère la première. Bah moi je suis déçu, je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre en parlant de la deuxième partie du jeu machin. Parce que sur la première partie t'es sur la lune, les paysages lunaires sont magnifiques, tu affrontes des ennemis à peu près normaux quand tu. Voilà quoi, quand tu es un fan de la saga Borderlands, ce n'est pas dépaysé. Alors que là honnêtement c'est que du violet, c'est moche, on se croirait dans une boîte de nuit ratée des années 80. Ouais, ah merde. J'ai lancé le script sans le vouloir. Et c'est le boss final ça. On va le voir à sa tête, hein. Qu'est-ce okay, que oui. C'est que ça? Oh, c'est le boss final. Au ah face supérieur. C'est pas lui le boss final. What? Et c'est où que ça se passe? Je sais pas. Ah, c'est moi qui ai déclenché le truc. D'accord, il est là. Je vois pas où vous êtes. Bah, juste derrière toi. Aïe. Il est là, le boss. Ah. Enfin, c'est pas vraiment un boss, hein. C'est pas un boss du tout, même. Allez, recharge vite. Ah, grenade. Et il est mort. Chasseur de l'arche supérieur. Ouais, y a des petits trolls de merde qui me tirent des trucs, ok. Rien de bien folie. Je vois pas sur quoi je tire, mais je tire. D'accord. Il y a des mecs qui spawnent de là-haut. Je ramasse un écho. Le colonel est parti hier avec cette créature extraterrestre. Elle l'emmène quelque okay, part. Ok, laisse-moi ça. Les hommes sont à cran, on aura bientôt épuisé nos réserves. On est presque tous atteints par cette éruption violette. Et ces rêves, ils sont pas tordus. Ils sont pires encore. Fantôme gardien. Oula. De la merde. Ouais, bah putain, j'aime pas du tout cette. Je pense que j'ai même pas besoin de te poser la question, mais. Non, moi je préférais le début du jeu, je préférais la première partie du jeu, moi. Ah, pour ouais, eux. Pareil. Là pour l'instant. Les paysages étaient beaucoup plus jolis. Puis là, il nous présentait. C'était sur la lune, donc moi ça allait encore, c'était pas trop science-fiction pour moi, mais là. Il nous présentait un boss qui était merdique, là, franchement. Et là, faut monter là-haut, là, comment ça se passe? Bah, à mon avis, faut faire tout
tour. Je sais pas trop comment on fait pour. Ah, il y a une plateforme là. Je suis pas convaincu qu'on puisse l'atteindre. Non, c'est clairement trop haut. Je sais même pas si on est déjà passé là. Non, 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 on est en train de faire tout le tour en fait, mais. Sérieux, c'était un brutal ça? Ah là! Très bien! Oh là là, désintégration. Il y a une plateforme qui s'est élevée là, Austral. C'est putain. Mais, oh, mais c'est de la merde les mobs là, ici dans cette zone. Y'a pas de challenge, y'a rien. Non, y'a rien du tout. Honnêtement, j'ai l'impression d'être sur le parcours 1 avec un personnage parcours 2 quoi. Bah les mecs, on leur pète la gueule quoi. Ils sont un niveau de moins que nous. Bah oui. Mais alors pourquoi il prend pas de dégâts lui, putain? Dans Borderlands premier du nom, les ennemis avec 3 niveaux de moins ils te cassent les couilles. Même avec 3 niveaux de moins ils te cassent les couilles. Y'a un drone là mais Au fort ancien. C'est bon. Ah y'a son drone qui essaie de le réparer. Il est mort. Il est mort. Ouais, 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 ouais. Je suis un peu déçu pour l'instant quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? De toute façon les boss de fin des Borderlands sont jamais bien exceptionnels. Ouais mais là c'est toute la zone quoi. Okay. Waouh, 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 waouh. Wow, c'est quoi ce trou noir là? Il faut aller là-dedans, genre. Sérieux? Tu devrais passer devant. Vas-y, j'y vais, moi, je m'en bats les couilles, j'ai okay, pas peur. Allez, go. J'ai touché le cristal. Je l'ai touché aussi. Comme dans Legend of Grimrock. Je suis en train de mourir. La sentinelle. Ah oh, j'ai des doigts bizarres, et. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arche de la sentinelle. Ouh, le boss final, il arrive ou pas? Je mais pense que là, on y est là. Un bout de temps quand même qu'on le demande, celui-ci. Tu m'étonnes. Allez, apparaît qu'on pète la gueule une bonne fois pour toutes. Ouh, voici l'arche. L'arche. C'est ça, c'est le boss final. C'est ça, ouais. Cette classe. Pour une fois, c'est pas un géant, donc tant mieux. Attends, attends. La sentinelle gardienne de l'arche. Pour une fois, c'est pas un géant. Il est où? Il est là. Il est là. Ouais, il est pas terrible. La merde. Oh putain, j'ai plus de munitions par contre. Oh non, bah c'est ça. Bah non, mais d'accord. Bah non, mais putain, il faut faire aussi en tout cas. Bim. Bah d'accord, je vais tout. Non, mais c'est super, je vais être obligé de jouer avec. Attends, il a plus sa barre de vie là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se transformer. Wow. Des revolvers, des munitions de revolver, s'il vous plaît. Oh. Ah, il recharge tout. Oh, et puis il change de gueule, et du coup. Ah, donc là il craint pas le feu, ok, j'ai compris. Il y a plusieurs patterns. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est en l'air. Oh, oh. Par contre, oh, les cristaux. Oh mon arc, il est dans les couilles. Ah, je peux plus lui faire des dégâts. A chaque fois que j'lance ma compétence, il lance son animation et du coup, ça sert à rien, fait chier. Oh putain, il m'a utilisé là. J'ai besoin d'aide là, je pense. J'arrive. D'accord, là il craint pas la glace. Merci beaucoup. Il est où? Au milieu. Je peux que affaiblir son bouclier. De toute façon, on peut rien faire, on peut rien faire d'autre. Moi je suis en grosse. Au moment où il a plus de bouclier, il change de gueule. Ok, bah c'est pas exprès, ouais, faut attendre quoi. Faut attendre qu'il se passe quelque chose dans les scripts. Ramasse des munitions qui sont par terre. Oui, m'en fous, moi, il faut du revolver. Oh putain de merde, il faut laisser un petit gardien. Laisse-moi un petit gardien. Laisse-moi ce petit gardien là, ou lui là. Il est où le petit gardien qui était là? Ah, il a plus de bouclier. Ah putain, j'ai plus le petit gardien, il est là. Oh fuck. Allez, vas-y, dépêche-toi de recharger Nisha. Je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Attends, 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 je vais essayer de te sauver la mise. Vite, 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 vite. Dépêche-toi. Oh, vite, 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 non. C'est bon. Oh. Il est où? J'ai récupéré des munitions, j'ai fait ça en John McClane. Il est où le boss? Il est là-bas. Là. Ok, il a plus de bouclier, et là on s'en donne à cœur joie, et là on déglingue, il est où? Il est là. Oh, il est mort. De la merde.
Eh bah putain. Comme dirait comme dirait Homer Simpson, bouh, c'est nul. Comment je suis déçu, Austral. Je tiens quand même à le dire. Non, mais à partir du moment où il avait plus bouclier, on aurait sa vie, c'était une palette de peur en plein cagnard. C'est de ça. Wow. C'est le drop. C'est un nouveau boss. Wow. C'est un nouveau boss. C'est le même, mais en 15 fois plus grand en fait. Ok, c'est un boss Ganondorf. Voilà. Oh, la et voilà, ils sont faits du géant. Putain, ils cassent les couilles avec leur géant à chaque fois. Attends que sa barre recharge. Oh, tu peux recharger, ça barre. Ok, on fait pas de dégâts. Il doit avoir un point faible dans ce coup. Voilà, dans son coup, je crois qu'il y a un point faible. Je crois que j'ai trouvé. La tête. La tête dans la tête. Moi, j'ai fait des dégâts, gros. Hein. Moi aussi, mais en pleine tête, moi. Regarde. Même. Oh, je vais casser le casque. D'accord, c'est les masques sur les côtés. Ok, je suis dessus. Ah, mais il bouge sa tête, ce bâtard. On s'en fout, ça suffira allez, pas. Allez. Et il est mort. Pas encore, si, il est mort. Finis-le. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas, je suis. Ah, mais il régène. Attention. Ouais, ça va être le même, il va être en trois parties en fait. Ouah, la vache, il fait mal l'enculé. C'est très très mal. Est-ce que c'est sa tête là, ce coup-ci, le point faible? Ouais, c'est le casque. C'est le casque. C'est ça, là, on fait des dégâts. Oh, je suis en plein. Oh là là, il a pété le masque, lui, Il a plus de masque, si, il en a un. Il y en a encore un. C'est de l'électrique. Je crains pas l'électrique. Dégâts bruts. Oh, les critiques que j'envoie! Je suis en train de le buter! Oh, je suis en train de le buter! Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Moi? C'est toi qui l'as buté? Ouais, en critique. Attends, j'ai fait il va régène. On va garder ces petits connards pour régène au cas où. Du corrosif! C'est pas bien grave. Oh putain, ça fait mal. Allez, les critiques! Faut tirer dans les yeux en fait. Dans la bouche, non, dans la bouche ce coup-ci. Je crois qu'il faut tirer dans la bouche en fait. Merde. Il dégueule partout, c'est dégueulasse. On t'avait dit d'arrêter de boire après minuit. Ah putain, je suis en train de crever. Oui, un gardien, il faut un séraphin gardien. Ah putain, t'es en plein dans le. Sors de là. T'es en plein dans la zone de corrosion. Ah merde. Y'a plus personne. Allez, vas-y, j'enchaîne les critiques. Vas-y, j'ai les critiques en visu. Vas-y. Vite. C'est bon, niveau supérieur, level up. J'ai pas level up, je suis deg. Il est mort. Je suis deg. En fait, ouais, fallait tirer dans le critique, ça lui a fait très très mal. On lui a pété la gueule. Putain, j'y crois pas, j'ai pas level up. Quoi. Un coup, c'était le critique de la bouche, un coup le critique des yeux, un coup le critique des oreilles en fait. C'était le casque et puis c'est tout. Non, il y avait des critiques dans la bouche. Je les ai vus, j'ai fait que ça. Waouh, ça fait tout la gueule. Génial. Alors, qui se sent d'attaque? En avant. Eh bah putain. Ça c'est du butin. Ouais, il y a un peu de violet, il y a pas. Il devrait nous lâcher sa tête, il y a un skin ici. Ouais, il devait nous lâcher sa tête, oui, effectivement. Oh, c'est Stingray, fuck. De toute façon, il lâche sa tête obligatoirement, c'est du 100% normalement. Normalement. J'ai peut-être ramassé moi dans la panique. Là. C'est une tête orange qu'il a. Apparence buggy lunaire, non. Non, mais de toute façon, c'est elle est orange, hein, donc on devrait l'avoir. Hein. D'accord. Bel armement. Bon, dans le tas, je ramasse 2-3 trucs quand même. Wow, ça a l'air de faire bien mal. Il y a de la pierre lunaire au taquet. Tu sais quand il nous la lâche, il nous la lâche au rapport, la tête. D'accord. Parce que c'est la récompense de mission. Eh ben, ouais, bof. Non, spectaculaire, mais de la merde. Ouais, spectaculaire, c'est vrai. Et puis sympa, le côté, comment, qui résiste à chaque fois à une sorte de dégâts élémentaux, machin. Alors, on avait le level trop élevé pour affronter ce connard. Bon, on avait que 2 niveaux de plus, quoi. Ouais, mais à partir du moment où j'ai commencé à lui, tu verras sur la vidéo, j'ai commencé à lui envoyer des critiques, sa barre de vie a fondu. Ouais, moi je lui en faisais des critiques aussi, des critiques de glace, je lui faisais. De glace, de électrique. Donc, ouais, on lui faisait tous les deux des critiques, c'est vrai qu'on lui a pété la gueule, quoi. C'est bon, y'a plus rien à ramasser, là. Et j'ai mon level up, je suis en train de penser. Mais moi, mon gars, mais il me manque peut-être 300 points d'XP, quoi. Il me manque un ennemi pour level up, moi. Je suis dégoûté.
Donc du coup, je vais mettre toujours là-dedans. Hop. Bon, ben voilà. Allez. Tac. Un vrai connard, pas vrai? Yeah. Bon travail. Eh, j'ai pas ma tenue. Ouvre l'œil, au cas où le rouge reviendrait. Je ne veux pas être interrompu. Hein? Quoi? C'est ça? Ce petit... Et moi, je suis pas là, moi. Mais qu'est-ce que... Oh, mais quel genre d'arme, ça peut... Oh. Et là il devient badaï. Et là il va, sa tête. C'est à ce moment-là qu'il a sa tête en mode masque là. Je sais pas. Salut mon beau. Oh, oh. Ah bah c'est là qu'il va changer de tête. Parce que là il s'est pris une droite de Lilith. Sachant que les droites de Lilith font extrêmement mal puisqu'elles sont élémentales. Et que c'est une sirène. Et voilà, elle lui a pété la gueule. Il s'est téléporté. Les tuer. D'abord, il me faut un toubib. Ensuite, on va débarrasser Pandore de ces saloperies de bandits. Et après, on s'occupera de réveiller le guerrier. Le de la merde, ton guerrier. Oh. Oh, ça va être trop bon. On va cramer toute la surface de la planète. Les gens vont hurler. Les bandits vont mourir à tour de bras. Oh, ce que j'ai hâte. T'as oublié un détail. Salvador. C'est là que le héros qui nous avait sauvés sur Helios est mort. C'est là que j'ai laissé le beau Jack. Tu regrettes d'avoir aidé Jack? Oui. Fais ce que tu as à faire. Tu es là. Hein? Non. C'est à cause de gens comme elle que nos amis ne sont plus là. Prêt? On n'est pas comme ça. T'es pas comme ça. Feu! Non. C'est quoi ce bordel? Mon corps de déesse. Ça sent Borderlands 3 à l'annonce avec tous les chasseurs réunis, tu crois? C'est ça. Ça m'a bien l'air d'être ça, ouais. Putain, ce serait bon, ça. Un Borderlands 3 où t'as le droit de reprendre le chasseur de l'arche que tu veux avec tous ceux qui sont réunis. Parce qu'on va se manger des... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Monsieur Tassiter, vous êtes là? Tassiter s'est fait remplacer, poupette. À partir d'aujourd'hui, tu travailles pour moi. Il est en train de tuer son boss. John, c'est vous? Appelle-moi Jack, chérie. Il va prendre sa tête. Non, là, il l'avait déjà. Le beau Jack. Ah, il a pris la tête de son boss, en fait. Non, c'est sa tête à lui. D'accord. C'est juste qu'il se l'est fait, il se l'est refait greffer par-dessus la sienne, quoi. Ok. Non, c'est pas possible. Sa tête, elle était foutue. Donc, oh putain! Il s'est fait greffer une autre peau, un autre visage. Ouais, donc, visage. Il était foutu. Ouais, mais celui de Tassiter, il avait pas la même gueule que Jack. Ouais, mais il a juste pris, on peut pas savoir, parce qu'il a juste pris le faciès, hein. Il a pas pris les oreilles, il a pas pris le menton, il a pas pris le. Ouais, c'est vrai. Donc, non, je pense que c'est le visage de Tassiter hein, qu'il a pris. Hein. Ouais. Ok, bon bah putain. Bon, allez, on se casse. On rentre dans cette arche. Oui! Ça a changé quoi là? Au rapport! Et le rapport, il doit être à Concordia, j'imagine? Je sais pas du tout. Station de voyage éclair, machin. Non, ah, une station bureau, New York! Bureau de Jack! Ouais, juste à côté. Ah. Il est au bureau de Jack, donc on va. Donc, la cinématique qu'annonçait non pas Borderlands 2, enfin un peu Borderlands 2, mais également Borderlands 3, apparemment, avec une guerre qui viendrait. Une guerre contre les extraterrestres, apparemment. Une guerre qu'on va entamer maintenant.
Je voudrais pouvoir level up, y'a pas un autre ennemi dans le coin là. Apparemment Borderlands 3 serait clairement la grosse guerre spatiale intergalactique entre tous les comment dire la civilisation extraterrestre et tous les chasseurs de l'arche. Et puis les humains. Ça va être le Star Wars de Borderlands, ça va être. Et à ce que vient. Si ça veut dire ce que ça veut dire, on va pouvoir jouer tous les personnages de tous les Borderlands réunis. Tous les Borderlands dans le 3, mais ça serait juste un rêve de gosse, mais je ne pense pas. Ce serait parfait. Ce serait énorme. Bah ça serait monstrueux. Mais non, parce que Nisha elle meurt dans le 2. oui, c'est vrai, on la bute. Donc je sais pas. Ça va être un pré sequel. Parce que mon personnage, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le 2 meurt. Ok. Dans une mission secondaire, on n'est pas obligé de la faire, cela dit. Hein, donc on n'est pas obligé de la faire mourir dans le script. C'est vrai. Donc, faut voir s'ils ont peut-être remodifié ça. Ok, le beau Jack est là avec son casque. Et alors la gueule qu'il a quand même. Je suis sûr que c'est la gueule de Taciter, moi. Ouais, mais je sais pas parce qu'on l'a jamais vraiment vu en fait, Taciter. Mais ça se tient comme. Si, parce qu'il lui a pété la gueule. Donc à mon avis, il s'est scotché la gueule. Et puis là, vu le y a du sang là, comment non bah, On voit pas, y a pas de cadavre, y a rien. Ah, ils ont remplacé les affiches, regarde. Quelles affiches ? The New Face of Hyperion. Ah oui, oh, ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que je peux toujours cramer ce tas de feuilles là ? Ça ne dit pas comment sa fille est venue au monde. C'est vrai. Ne t'éloigne pas trop, y a toujours des trucs à faire dans le coin. Boum ! Tête gladiatrice, champion délaissé. Et on a déverrouillé le mode chasseur ultime qui est un parcours de voilà. J'ai level up. Ok. Attends, je vais déjà activer la tête. Qui ne me plaira pas. J'ai des personnalisations aussi. Bon, c'est des trucs du buggy. Je vais mettre mon point de compétence maintenant, ce sera fait. Voilà. Et puis c'est tout. La mission secondaire, la mission principale, pardon, est terminée là. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout, il reste 2-3 missions secondaires à faire. Est-ce qu'on les fait en filmé ? Très bonne question. Je sais pas, on verra ça de notre côté. On vous en tiendra informé, bien entendu. On va peut-être aller faire un tour vite fait à Concordia. Histoire de montrer la tête qu'on vient de débloquer. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Hein. Alors attends, parce que les missions secondaires, là, qu'est-ce qu'on a de plus là ? Qu'est-ce qu'on a ? On a celle que t'as activée dans Elessir, là. Oh, il y en a plein activées. Ah non, mais ça c'est tout ce que j'ai ignoré. Il y en a une en plus, il y en a deux. Il y en a deux. On en a deux autres, les autres qui sont ignorés, et puis il y en a encore quelques-unes d'autres à débloquer un peu partout. Quoi. C'est du niveau 28, 26, 20... Je sais pas si on les fait ces missions secondaires. Je sais pas, on verra. De toute façon, dans tous les cas, si on les fait pas filmer, on les fera peut-être en off et encore, c'est même ouais, pas dit. On les fera en off. Donc mais... on verra. Enfin bref, Concordia. Voilà. Concordia, on va aller mettre notre tête, notre délicieuse tête. Honnêtement, à mon avis, vous vaudrait mieux passer directement sur le parcours 2 pour farmer, pour avoir du level. Parce que ah là, bah oui, c'est sûr. C'est faire chier à faire des missions qui vont rien nous rapporter. Ouais, bah surtout qu'on a des missions, c'est du niveau 12, 13, 14, machin. Ça va nous rapporter 1000 points d'XP, autrement dit, ça va rien nous rapporter. Je regarde juste s'il n'y en a pas une dont le titre pourrait éventuellement me parler. Ah, parce qu'il y en a d'autres là encore. Vous allez pouvoir continuer castanuer. Castanier de l'extraterrestre à gogo. Oui, bah c'est ce qui était marqué dans. Oh, c'est Tina. Ouh. C'est Brick, mon grand frère. Je t'ai déjà dit 100 fois de pas m'appeler comme ça. Brick, c'est son grand frère ? Non. Il paraît que tu racontes des histoires. J'en veux une. Qu'est-ce que tu veux entendre ? La mort de Nox ? La chute de Newell ? Oh non, attends, j'ai une meilleure idée. Je veux que tu me parles d'un super boss. Je sais pas de quoi tu parles. Comment ça, tu sais pas ? Mais comment tu peux ? Mais tais-toi, gamin. Laisse faire ta grande sœur. Ensuite, Athéna et ses trois poteaux se sont enfoncés dans le noyau de la lune. Faut vraiment que j'emmène des amis. Je peux pas y aller toute seule. Pas si tu veux survivre. Ou alors faut que t'aies trouvé un putain trop démentiel et que tu veuilles vraiment frimer sur les connettes. La meilleure histoire du monde. D'accord, retournez à Alessia. Ça va être une histoire racontée par Tina, ça peut être sympa. Retournez, venez à bout de la sentinelle. Ouais, mais en fait, c'est ce que m'avait expliqué un abonné. C'est qu'en très gros, c'était le seul boss invincible du jeu. C'était le boss de fin, c'est en fait. Boss il de se fin transforme en invincible et tu peux le farmer à foison. Moi, ça ne me dit absolument rien. J'ai pas envie de me retaper la zone.
Non, la zone, non, ne m'intéresse pas. Après, il y a un truc qui est juste à yep. côté. Un c'est truc pareil, cette mission à Elessir, là. J'ai pas. Le claptrap, là, J'ai pas compris, moi. J'ai pas compris, en fait. Ah, bon. A trouvé la lumière en lui apportant des putis érudiens élémentaux. On c'est gagne, quoi, les putis, en fait. On gagne du stuff vert qui va être niveau 26. J'ai envie de te dire, non, quoi. Oui, oui, en plus, oui. 6000 points d'XP au stade où on en est. C'est plus grand chose. Non. Bon, bref, je vais leur montrer, moi, la tête qu'on vient de débloquer, du coup. Une tête qu'on a déjà vue avec Shiki et Raze. C'est pas une tête qui me plaît énormément, mais voilà. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. En fait, c'est la tête du boss, tout simplement. Donc c'est sympathique, mais ça rend ton personnage complètement, complètement incrédible au possible. Quoi. C'est laid. C'est voilà. Je préfère encore. Bon, ouais, jaune. Je préfère encore remettre la tête de base sans la capuche comme ça. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a déjà tout montré. Hein. On n'a plus rien. On n'a plus rien de particulier à montrer, je pense, sur cette partie-là du jeu. Non, voilà, vous avez vu l'intégralité du script principal, quelques missions, quasiment toutes, sauf celle-là, parce que honnêtement, on a, moi personnellement, j'ai même pas envie de m'attarder dessus, ça va rien me faire gagner. Je préfère éventuellement, moi, jouer en off et puis commencer à level up jusqu'au niveau 50, si je dis pas de conneries. Ouais. Le but du jeu, donc, nous, c'est on va level up de notre côté jusqu'au niveau 50 et on vous retrouvera. Lorsque tous les DLC seront disponibles pour la suite de l'aventure Borderlands, on fera donc tous les DLC, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a deux personnages jouables, il y a le beau Jack et puis il y a également la baronne. Ils en ont, annoncé 4, hein, les personnages jouables. En plus au total, ouais, il y en a donc il y a le beau Jack, la jouable. Baronne. Oui, jouable. Donc il y a un par DLC. Le beau Jack, la baronne et il y en aura encore deux autres en DLC suivre. Donc, voilà, donc voilà. On verra ça dans les DLC qui vont suivre, qu'on va donc tous faire. On les fera quand ils seront tous là, donc c'est-à-dire que là, le DLC va sortir... Le 11 novembre. Normalement, il sort le 11 novembre, le DLC, mais vous l'aurez pas sur les chaînes avant un bon bout de temps, puisque, comme on vous l'a dit, on va attendre que tout soit là pour tout faire, et on sera niveau 50, et comme ça, on pourra level up jusqu'au niveau 72. 72 ? Ah oui, bah ouais. Une fois qu'il y aura tous les DLC, oui, oui. Voilà. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je vais aller voir Moxie pour finir ça en beauté. De toute manière, vu qu'on a fait le. Si, il y a un truc qu'on pourra peut-être faire. C'est vu qu'on a fini le. On va attaquer le parcours de en off. Si jamais on trouve quelque chose d'intéressant à vous montrer, on fera des vidéos spéciales, voilà. Ouais. Sur le parcours 2. Et puis, vous, comme ça, vous pourrez checker un petit peu notre progression quand on sera dans les levels à peu près 40, 35, 40, voilà. Ah, puis de toute manière, on avait prévu de refaire une ou deux vidéos avec les abonnés. Voilà. De refaire une partie à 4 qui pourrait être bien Fandor, éventuellement par exemple sur le boss invincible qui est le boss final. On sait pas encore, on verra. De toute manière, on vous tiendra informé. Vous verrez ça de toute manière après la fin du playthrough, après cet épisode là en question. Voilà, voilà. Moi, je sais pas pour toi, j'ai plus rien à dire de particulier. Merci à tous. Non, c'est bon, c'est plié, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir fait ce playthrough en ta compagnie, mon cher Austral. Et nous, toujours est-il qu'on ne va pas s'arrêter ici. Voilà, donc on va. Donc le playthrough, comment dire, reprendra donc d'ici, je sais pas, peut-être un an, je sais pas, absolument pas. Je sais pas du tout. Toujours est-il qu'entre temps, on va pas vous laisser tout seul, puisque sur nos deux chaînes respectives, on va également faire un nouveau playthrough. Ça sera exact. Bah, de toute façon, on peut le dire, parce que je pense qu'il sera déjà commencé. Voilà, hein. À ce moment-là, il sera déjà commencé. En fait, on voulait garder ce nouveau playthrough pour l'intervalle entre les deux parties de Borderlands qu'on comptait faire. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que, vu qu'on a 46 épisodes, le temps de mettre tout ça en ligne, le playthrough sera déjà sûrement commencé sur la chaîne, c'est même sûr, en fait. Oui, c'est le sûr, deuxième certain. Playthrough. Oui. Donc ça sera sur Dead Island et on va faire pareil, on va faire chacun un personnage et nos deux versions respectives, voilà. Voilà. Bah écoute, c'est tout. Je voudrais finir sur un duel. C'est de la triche contre toi les deux. Non, promis, je mets pas mon bouclier, j'active pas mon bouclier, promis. Bon. Alors attends. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je peux pas équiper qu'un seul revolver, moi, du coup. Parce que je voulais faire ça à arme égale, mais je peux pas équiper un seul revolver. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, si, je peux, mais faut que je vise. Si ouais, je perds, pas... hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va faire mal. Ok, c'est parti. Attends, duel. Attends, c'est pas bon. Si, voilà, duel. Ah. Il m'a one shot, le mec. Il m'a one shot, j'ai rien compris, quoi. Bon, bref, bien sur ce, les zingues. Merci à tous. Exactement. On se retrouve très vite pour d'autres playthroughs coop. Enfin, en tout cas, on verra ça plus tard. Pour une autre aventure coop. De toute manière, on s'est déjà commencé comme on vient de le dire. Sur ce, merci à tous et à la prochaine. Ouais.
Voilà, ciao les zincs, prenez soin de vous, c'est le principal. Voilà. Allez, à plus. Ciao. Bye.